Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro en ce samedi. Nous sommes le 21 octobre 2023. Excusez-moi, nous devons toujours être précises. Je dois ici m'excuser, je dois demander vos excuses pour le report de cette émission directe qui devrait avoir lieu cet après-midi. Indépendamment de notre volonté, nous avions été vraiment perturbés par des circonstances un peu inhabituelles ici en Afrique du Sud, comme vous connaissez. La perturbation des courants électriques, ça faisait vraiment des étincelles, et puis nous avons perdu certains de nos matériels. Et donc, dans cette cadre-là, nous n'étions pas à mesure de vous produire cette émission live. Mais néanmoins, nous avions décidé que nous devrions en principe vous donner les quelques réflexions que nous avons sur la marche de notre pays par ce Contact Pro Live que vous attendez toujours. Vous êtes nombreux à m'avoir appelé cet après-midi. Il y a eu des gens qui voulaient malheureusement participer à cette émission vespérale, donc du samedi. Nous avions 3-4 invités qui devraient intervenir, mais malheureusement, ce n'est qu'une partie remise. Donc, les choses n'étant pas encore très bien parce que nous avions perdu un élément de nos machines qui nous permet justement d'aller en live et en direct. Donc, peut-être la semaine prochaine, nous pourrons remettre les choses en ordre pour que nous puissions vous venir en direct sur nos émissions. Alors, ce que nous allons parler dans Contact Pro Live aujourd'hui, c'est justement ces trois sujets qui nous portent à cœur en disant que nous devrions en principe vous éclairer sur ça. Quels sont ces sujets-là? Il y a le sujet des élections. Nous commençons maintenant à entendre les belligérants, donc ceux qui postulent pour la magistrature suprême, surtout ceux qui ne se prononcent pas, surtout du côté du gouvernement, quel est leur projet pour la mandature prochaine? On parle de quoi? Les discours de beaucoup de ceux-là que nous connaissons, et nous allons essayer un peu d'en parler ici. Nous allons parler aussi du phénomène Wazalendo. Nous allons brosser sur ce phénomène-là de Wazalendo. Pourquoi est-ce que les Wazalendo sont là? Qui sont-ils? Nous en avions déjà parlé, mais il y a des questions qui sont revenues. Nous allons encore y revenir. Aussi, la problématique des nominations, ce qui se passe, mon analyse sur Eddy Capend et puis sur M. l'abbé Bahala, parce que ça, ce sont les deux sujets, les deux personnalités qui sont revenus, qui ont été donc nommés dans ces ordonnances lues hier à la radio nationale congolaise, donc la RTNC. Et puis, nous allons vous parler aussi du projet de 145 territoires qu'il y a le gouvernement qui essaie un peu de récupérer, mais nous allons l'expliquer pour essayer un peu de leur donner les bonnes idées. En fait, qu'ils puissent savoir qu'est-ce que nous avions, pourquoi avions-nous dit à Félix, rentrons à la base, nous allons en parler aujourd'hui. Comme tous les jours, dans Contact Pro Live, nous vous donnons le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Kindou, un jeune leader jeté en prison pour avoir rappelé le passé sombre. Béni, 40 policiers formés sur la prévention des extrémismes violents par l'Unipol. Et puis Béni, un char et annonce le général Mbangu Chachique dans un ancien bastion des ADF devenu grenier. On va sur actualité.cd.
Cet argument confirmant le terrorisme judiciaire dont est victime Matata Mponyo. Société civile félicite le gouvernement pour l'augmentation du budget de l'agriculture et de la santé, mais exprime des inquiétudes concernant l'éducation. Royaume-Uni, RDC, renforcement des relations économiques pour un avenir durable. Congo profond, PDDRCS, l'éjection de l'équipe Tommy Tamboy, unanimement saluée à Ituri. Moïse Katumbi, un parcours tumultueux, les alliances mouvementées et une ambition pour la RDC. Tribune de Teddy Mfoube, polymathe, chercheur et écrivain, béni 11 ans après 3 prêtres catholiques de Notre-Dame des Pauvres de Mbaou, toujours sans trace. 7 sur 7. Félix Tshisekedi au phare d'essai. Écoutez-moi, rangez-vous derrière moi, je vous promets de vous rapprocher de la victoire. Et puis Félix Tshisekedi, toujours aux officiers supérieurs de l'armée, tant que quelqu'un ne m'a pas dessus, il gardera toujours ma confiance. Et toujours le même message de Tshisekedi aux officiers supérieurs de FARDC, vous méritez considération, mais cela n'est pas une immunité face à la justice. On termine par Radio Okapi, au moins 37 cas de malnutrition enregistrés 2 mois au centre de santé de Moulo. Puis Nord Kivu, reprise des affrontements entre groupes armés locales et le M23 à Bouiza. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, Bandeko, donc Bomoni, c'est très 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 difficile avec cette actualité qui rebondit. C'est pour cela que nous avions dit, nous ne devions pas laisser passer ça comme ça. Autant mieux vous venir avec cette émission d'aujourd'hui pour essayer un peu de vous... que vous ne puissiez pas rater la cour des événements. Il se passe beaucoup de choses à Kinshasa, il se passe beaucoup de choses à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, commençons d'abord par le commencement. Nous serons brefs, comme nous sommes en contact pour live. Sachez qu'ici, nous parlons tout simplement des sujets, mais nous ne développons pas. Nous avions vu la CENI qui s'est dérobée. Moi, je parle ça de se dérober. Il n'a pas analysé, il n'a même pas analysé les candidatures du président de la République. À Zuyango, il se déclare que non, tous ces gens-là sont éligibles. Donc, tous les 24 personnes qui ont déposé les candidatures, selon la CENI, à l'obi naé que non, bangonyo surtout, bakokisi mobeko, selon lui. Donc, maintenant, dossier est na cour constitutionnelle. C'est là où on va confirmer tel moutou. Si nous aurons toujours les 24 candidats à la magistrature suprême, tant mieux. Et moi, je pense que tout royo, bon recalé moutouté, donner à tout le monde cette chance-là si les élections auront lieu. Parce que nous avons dans ce sujet d'élection, il y a deux possibilités. Ou les élections n'aient pas lieu, où les élections aient lieu, mais et qu'on s'en dénigre. Alors, tant que nous avons un modèle, on a ce qui est l'élection Zali. Alors, on demande à ce que tout le monde puisse être, avoir la même chance. C'est là maintenant que nous aurons à voir sur le 24, parce que, au fait, il y a des candidats qui sont des candidats satellitaires aux grands. Les quatre grands sont qui sont ces quatre grands. Nous avons Katumbi, nous avons Moïse Katumbi, nous avons Matata Mponyo, nous avons Delice Sanga, nous avons Félix Tshisekedi. Et donc, moi, si je peux parler aussi, le grand de tous, c'est maintenant le docteur. Le docteur Mukwege. Moi, je pense que ce sont là les candidats que les 16 ou les 14 autres, ou les 16 ou les 17 autres vont se piloter d'ici. Donc, ils sont là pour accompagner ces 6 ou 5 candidats-là. Et donc, quand nous regardons à l'est de la République démocratique du Congo, bah, candidat Moussous, il faut pas bossana. Mais nous sommes en train de constater, petit à petit,
Le pouvoir est en train de révéler ce qu'il pense du mandat prochain. Bakomi kolobe la peli kambo refondation à Congo. Oh non, il faut refonder le Congo. C'est ainsi que moi je me pose comme question. Est-ce que Congo ango va refondre ango à part les nominations des autres personnes? Parce que ils ont na gouvernement lelo na mandature lelo. Pour eux, la réforme c'est de changer les hommes. Pour eux, bango kanisa kaka que soyez bolongoli mutu oyo boche mutu mususu, c'est comme ça, c'est ça la réforme pour eux. Ce qui batie batu mususu wanande eko bongisa makambu, c'est ce que nous constatons sur le fait. Parce que lorsque vous regardez, lorsqu'on parle des réformes militaires, on ne parle pas de commandement, de recrutement, non, ça se fait tout là. Donc système ango batiki ango wana mais balobi va changer batu. Est-ce que ça problème à batu ne c'est ça là que non corps militaire est simbaté. Moi je pense que c'est le fond. Combien de généraux finalement nous avons? Ba capitaine combien misala na bango ezala kanini? La réforme consiste maintenant à savoir nini ango faut que ça là. Quels sont les services dont nous aurons à placer les gens? Ba service a fonctionne kandenge nini? Comment est-ce que nous pouvons changer la manière de fonctionnement de ces services militaires? C'est ça que moi je pense que c'est ça la refondation du Congo. Refondation Zali, est-ce que modèle autozo recruter batu yango kagande muto kotika la tobengi batu oh ba nani tout ça. C'est ça la réforme. La réforme ne consiste pas à changer les gens d'une oh ba msusu baye ba msusu ba koti ba msusu ba non. Et ils sont dans le même véhicule. Le système est le même pour changer batu. Regardez comment Edi Kapende a fêté batu alobi tournaye angoyo tournaye koki. Donc na modèle on tangwa kokota kuna ayebi ke non vina e changer a komi siko mutu mususu a komi pe grand prêtre a kobanda siko kotonga pe ba building wazo a kobanda kozwa oya zwate tournaye koki na zo sala kaka entre parenthèses se dit même bon na ba om mususu ba noma ki je sais que y a eu des fêtes batu ba feta ki batu ba sepela ki président sali boye tout ça. Mais l'armée reste la même. Ba toi na ba kokende kuna ba kotuna. Ah, tolia kandeni. Ah, mokonzi. Ah, bo ende zalaka. Ah, ande boye. Yo, wane zaya, yo, tout ça. C'est ça donc le problème. Donc le problème reste en entier. Et même ces personnes-là, quand ils viennent, c'est comme ça que vous allez voir. Ba toi ba kenda ka est, surtout les généraux qui partent à l'est, ba ebi ke, tourna ba ngwe koki. Tangu ba okoma kuna iso akei, balobi awa systeme za la kabwe, tobeta kabwe, dada boe, otonga penda kuna ona Kinshasa. Et donc, rien ne va changer. Ata suki to change batu 3 fois, 1000 fois, 4000 fois. Tant que ces personnes là sont dans le même système, et loko ko change te. Et donc, petit à petit, to komiko yoka, Bakaporo ya Félix Tshisekedi bakomi koloba non programme ya de 2024 à 2028 c'est la refondation du Congo mais boko refonde Congo boyebi ndenge ko refonde ango. C'est ça le grand problème. Alors donc na ba élection ce qui est causala notre inquiétude c'est que nous posons des questions sur savoir na niveau auto komi. Soko bengi est-ce que Bob Subomoni Bakit? Est-ce qu'il y a boy? Donc rien, peut-être en dernière minute, je suivais quelqu'un, je ne sais pas si c'est quel média, il me dit que non. Kadima Asia commandé na ba machine. Ba machine ko ya déjà eza déjà programmé. Et kozala déjà na ba biloko nyonso tout na kati. Donc makambo ko reformanté ango ba nini te kozala prête à utiliser. Et vous allez quand même sur son téléphone, ils ont déjà na ba application nyon surtout au Seigneur ça n'a pas besoin donc c'est à partir ba logiciel loin que vous allez déjà essayer et ça les mina kati. Donc on est en train tout simplement de négocier que nos babilons qu'on attend au comme na ba fin novembre ils allent déployer directement ce qui début décembre et qu'on allait des déploiement moko massif biloko qu'on est kokende mais ils ont déjà prêt à utiliser ça c'est ce que qui rassure aussi l'autorité que non, basako confirmer que non, élection est causale. Parce qu'ils savent que non, ba machine ouane causale, sous-souté que comme il y a Kinshasa, ba tcha boye, ba salabouete,
ezakoya ezako pesama ezako tia ma place en place mbala moko babandi ko salela ngo donc ko za la ba machine moko déjà prêt à utiliser. C'est ce qui rassure donc le gouvernement et même les ondis que batu o ba rassura ki batu a sadek que non ba bangate les machines qui vont venir ce sont des machines déjà qui seront set up ezali kamsutu ko za la kaka. Et comme donc, même une semaine avant le 20, les machines devront être là et qu'elles seront utilisables. Ils oublient que les qui n'ont pas de machine, ils ont dit que tout ça, les machines, il y a un enrôlement, tout ça. Des ratés peuvent être là. Et ces ratés-là bénéficieront à qui? Et qu'on bénéficie de la tricherie. Ce qui tricherie, ils ont bien programmé, c'est-à-dire que. Et vous allez dans la zone, vous allez voter. Donc, comme le vote, c'est une journée. Donc, journée, on a ce qui machine et baby, ma kamba koya, ko bandelaisa, soussouté. Vous comprenez que on a donc un coup, une flamme. Ne balingi basala. Donc, c'est ni na modèle, on a un des hommes, mais la makambo. Bande koto le capage, on a tout expliqué que l'oko oyo, na live à samedi prochain, en tout cas, ceux qui nous amènent à Sungibi, sont à samedi prochain, toujours sous une occasion, tout expliquer l'oko oyo, il y a ba élection. Alors, tout comme maintenant, nous l'ikambo wazalendo. Bande ko, moi je suis sidéré, moi je suis très, je vous dis, je ne suis pas très, très chaud dans l'ikambo wazalendo. Pourquoi? Je vous avais dit ici, lorsque vous criez, « To supporter, bendele quoi, ya te far de se, supportons le far de se, tout ça. » Je vous avais bien dit, « Na lobe la kabinoa, na lobe, ngay bo komo na ngana support far de se wanate. » Pourquoi na ko support far de se wanate? Parce que le far de se en question est infiltré, ko longa bitumbate. Je vous avais bien dit ça, que non, far de se na biso, ki ko longa bitumba wanate. C'est déjà mal parti, donc ils ont comme la paix, ma pamba, ma tricot, na bino bosala. Tous ces efforts là que vous aviez fournis ont été dissipés comme un fumé kakaboy. Donc l'eau que ça les maté. Les lots ont été comme ils sont sur la macambo à Bazalendo. Bazalendo ba outi wapi. Bandeko. Les Wazalendo, en tout cas, je regrette vraiment l'eau quoi les lots. Parce que ça n'a pas les mamans qu'on a lingué na tiel abino. Pona kola kisabino keno. Bazalendo wana, ce sont le même gar. Okoyoka ba ADF, o ba ADF, ce sont les mêmes groupes armés qui sont recrutés par le gouvernement maintenant. Parce que minduki wana okiko explique te ke ba minduki wana minene minene, o bazalendo bazo mema, ezako uta wabo, on se pose la question. Et donc, nous sommes en train de voir que biso ba Congolais ba détourner attention na biso, au lieu to zala, tout bongi safar de se nabiso, non, et comme on a, toko kiko bongi safar de se te, toko ti attention à population na batu msusu. C'est comme ça que le gouvernement na batu na bango baza ko rekrite batu bazalendo. Le bazalendo, ça devient un cop, et comme il cop, bako pesa mbongo, bako pesa matériel, bako pesa nini. Soko zana groupe kaka 50 personnes, 20 personnes, ale bo kota na mutu kabo kende. Tango bo koma akuna ba pesi bino ba botini, ba pesi bino bo ale bo kene na front. Boke ko se debrouye kuna. Mais, na ebi sa ki ba tu na lobi. Attention, parce que si le M23 se decide, ba bande ko naza M23 te. Oyo e koka ki, oyo far de se e koka ki te. Eske ba zalen non ne ba za ba o koka ango? Bazalendo bayena nini yango ko ko sala ke babeta M23. Qu'est-ce qui est de spécial? Tangu po yo ki kote mzuzu balobi no to libera ki banani wana ezaki na maboko ya EAC. Et donc ça devient un peu politique, on se pose la question mais o ezali kamunini. Moi je pense que nous le peuple congolais, nous devrions exiger à notre gouvernement que ba traiter na ba groupe armé te. Comme ils n'ont pas voulu traiter avec le M23, cherchons une solution qui va nous arranger, qui soit officielle. Ce qui va zalendo ba gagner guerre oyo, qu'est-ce qui viendra après? Bande ko ngana na kokota mozindo na oyo na thème oyo te, parce que je sais que nazala ki na makambo ebele na ba détails ebele na kokai ko yebisa bino. Pour que bino ba Congolais boza la prudent na tango boza koloba bazalendo. Oui, ce sont des forces négatives
que l'ONU dise justement na gouvernement congolais toyeba ki ke batu onde batungisaka batu ces mêmes personnes la population c'est que bangone mtu babomaka batu ce sont eux les ADF bangonde ba kodeko bangonde ba sala ka ba makambu kote a Nord Kivu kuna ce sont eux ces jeunes gens là qui se baladent qui font ce qu'ils veulent en connivence effectivement avec le FARDC parce que et à la place où on coupe barrière à Wazalendo, y a Wazalendo, on coupe barrière à FARDC, on coupe barrière à ADF, les chauffeurs qui font cette route là connaissent. Et ce sont là les vérités que je suis en train de vous dire ici qui peut être vérifiée. Bandeko, moi je pense que na likambwana bazalendo ke no tozomi tape poitrine ke no bazalendo ba basilisi bitumbana est. Moi je pense qu'il faut vraiment nous remettre en question et puis tozobongisa nini. Est-ce que bazalendo na soki bazui nani ba gagner bitumbana ba ko réintégrer armée. Voilà même bo yo kanano ataba toana bino boza koloba o ba rwandais tozobunda na ba rwandais na ba rwandais. J'étais avec des bazalendo dans un space et vous comprenez nous qui suivons de l'autre côté nous connaissons na badir na e oyebi ke oyo aza congolais te baza ko prone o no tribalisme te o bo e bo. Ce sont ces mêmes gens batwana moko moko na qui dit que batwana ya M23 bangote mtu bakomi bazalendo basali que notre oxydacine wana bakoya ko réintégrer armée qui dit que ça est loko wana te. Je ne dis pas c'est comme ça, mais ça peut être comme ça. À vous de juger. Bo, et la Moussa, Maël et Nabino, ba congolais. Alors, Bandeko, si je me souviens de la ligne qui n'a pas été Sabino, c'était à propos du programme développement 145 territoires. Ah, on a biso tolobaka yango. Rétrocession du pouvoir au niveau de la base, c'est-à-dire le développement de 145 territoires. Nous avions même commencé à dire ça depuis 2019. Quel était l'objectif de ce projet-là? Nana bandai koyebi sapunani président de la République. Je lui disais ceci dès le départ en disant il faut faire des projets qui vont toucher tous les peuples congolais partout où il sera. Bon, ça là, projet à 100 jours, Théoana, ou bien, oh, Botsombi, Sokinini, bah, vedette, oh, Misa, toi, et Kokendo, sur les lacs qui vous, ça, c'est de la poudre aux yeux. J'avais demandé au président de la République de dire, président, pardon, toi, Bandela, zéro, toi, solo, la biso, bah, Congolais, toi, y'a, bah, ni, n'yango, eza, empêcher développement, la biso. Comment, toi, kosili, sa, kimoibi? Comment est-ce que Tokosili sa corruption? Et ces questions-là devront être répondues. Comment est-ce que nous allons nous mettre ensemble pour travailler pour notre pays? Et que ce genre de projet devrait être discuté au niveau des territoires. Poto Lukanini, Poto Lukaka, consensus national, cohésion nationale, c'est le consensus qui nous manque. Bandeko, tant que consensus, tant que Toyokani bisogno sotoute, le respect de la constitution n'aura pas lieu. Président Zako Salaba erre rebelle na constitution, tozo landal sous constitution te. Et c'est là que je suis en train de dire, mais président de la République, casier judiciaire et Zalakalsou n'a pas d'importance te. Pour que nous nommions, nous avons dit Kapend.
En principe, c'est quelqu'un qui a été radié de l'armée. Même s'il a reçu la grâce présidentielle, mais casier judiciaire à Moutouéti Kalaka. Et ça, c'est une bavure grave. Et ça, il est grave. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a Kamere qui a été en prison, condamné. Ti Abimi, Azonga comme ministre. Quelqu'un qui a déjà assis à Yoki Solo. En principe, n'a pas mboka ou eza organisé bosana ko occupe ba fonction ya l'État. Ton casier judiciaire n'est plus intact. Et ça nous dénigre. Et ça kope sa biso mawa. Et lo kwana bozomo na moutoua outi prison ae ko zonge la lisusu ye wana komi lisusu mo konzinabino. On se pose la question, nous sommes où? Toza wapi, mboka nini angoyo. Et puis ce qu'il fait, okomona kaka, donc les gens pensent que c'est normal. Non, bandeko. Na bamboka o eyebani eyebi, eza développé. Soki aussi o koti kaka wele, esili. Toute ta vie, tu ne toucheras plus au bien public. Kapenda a été condamné pendant 20 ans. Même s'il est sorti par grâce présidentielle, ce n'est pas que non, à moins qu'il fasse un coup d'État. Mais comme ça, bino batubwebi ke muto azaki prisonnier ye wana mbala moko bwebu bozongi sien. C'est notre caisse. On est habillé comme sousu. Ça, c'est autre chose. Bon, ce qui peut boyo kanaki, ok, pardon, et si bon, ok, toke nenandenge wana. Mais moi, je sais que casier judiciaire à Moutou, quelqu'un qui a été radié de l'armée, pendant magistrature, quand moi, comme il balait, bozongi si a comme il sous mon konzi armé, bandeko, il faut faire attention. To la mouka, bandeko. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Et lorsque vous y pensez, vous vous dites que non. Nana kusala te. Na lobi kaka. Nana za contre te. Na za pour te. Natali kaka. Total akaya maka mwango nenge zo kende. Mais ça m'inquiète quand même. Alors, c'est là pour revenir. Ya kolobana likambu oyo. Ya développement 145 territoires. L'idée que nous avions dit, c'était, il faut que les gens puissent aller commencer à trouver des consensus au niveau yaba territoire. C'est comme ça que nous sommes dit, rétrocédons le pouvoir au niveau de la base pour que les gens à la base puissent se mettre d'accord de la façon de faire, de la gouvernance de notre pays, en réécrivant une nouvelle constitution, en faisant des propositions d'une nouvelle constitution qui inclura toutes les desiderata de la base. C'est de cela dont je parlais en disant le développement des 145 territoires devrait mettre le peuple congolais devant leurs propres responsabilités en leur disant voici l'objectif, notre mandat est pour 5 ans. Voilà, nous voulons à ce qu'après 5 ans, nous puissions déjà asseoir le pays sur les rails. Yamalamu pona bamboka le pays développé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons planter les réformes au niveau de la base. Ces réformes-là devront être discutées et trouver des consensus au niveau de la population, au niveau de la base, en disant voici comment nous allons faire. Et le puneux problème que ces états de lieu de chaque territoire devaient avoir, le puneux problème de l'identification de la population. Bandeko, lelo oyo toigolo bateke Kinshasa e bandako sa lelo koneti ya seni oyo non. Vous voyez pourquoi l'ONIP ezana problème ya ko demarete. Ça, c'est un grand problème. Mais si nous pourrions passer par les états de liés de chaque territoire et que nous posons déjà les jalons par directive à Koloba, voici comment nous allons nous y prendre pour l'identification de la population. C'est-à-dire, les gens qui sont dans les territoires vont maintenant appliquer le schéma Yakoloba
Comment vous allez identifier les Congolais? Et les tribunaux en place devront avoir lieu pour identifier justement en disant que non, peuple Oyo, biso awa baza bandeko na biso toyebi bango, bako yiko zala na kati ya nani na liste ya ba Congolais. Et donc dans notre territoire, nous pensons que nous sommes des Congolais et nous sommes autant. Parce que c'est ça le pire problème qui nous divise, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est cela que moi je disais, lorsque le Congolais lui-même aura ce pouvoir-là de s'identifier, de dire que non, awa bandeko, eza question ya ko protéger mboka na biso, eza question ya ko protéger mabele na biso. Ainsi donc, nous allons nous y prendre. Économie na biso eza nani, banani basala kanini, mpaku na biso ko bandako uta na epa ya banani. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les payeurs d'impôts dans notre pays. Parce que nous ne connaissons même pas le nombre de travailleurs. Chaque jour, ils ont la bato, ils te perdent, combien à régie des autres. Oh, le nombre est inconnu. Et nous continuons à évoluer dans ce désordre-là. Et c'est ça que nous enfonçons justement dans Katia Bayeré Rwana. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes dit, Bandeko. Nakosuka parce que naza mulaite le loza contact pro live, j'aurais voulu en tout cas que na pesa bino ba explication sur ba matière oyo ya rétrocession du pouvoir. Mais abonnez-vous quand même à cette chaîne, nous continuons la semaine prochaine to expliquer ango comme ça au moins toza la na discours wana batu bozoyoka et faire comprendre bino la refondation du Congo, ba réforme. Quelle réforme ou bien nomination à batu? Qu'est-ce que nous devons réformer? Voilà. Donc, si vous êtes là pour la première fois, donc, je vous demanderai de vous abonner. Et surtout partager. Botika va moi ma message, ma observation na bino. Et pesa kabiso orientation. Donc je suis toujours très content tant on a tant que ba commentaire on a ezwakanga tant musu sotaba des heures et des heures avec comme on a c'est comme des livres ba tout 500 ba commentaires qui et les autres qui envoient des messages personnels au ezalaka il faut tanga il faut répondre na répondaka. Donc merci donc pour tous ceux qui sont en train de me supporter. Donc sa pote na bino surtout ya ko partager na ko s'abonner et pesa ka moi saisai na mutema na ngai et puis courage à ko continuer musala oyo. Merci donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.